Nous sommes très bien arrivés. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Farah Salvatore qui monte à Paris et qui passe à Skyrock. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Nous sommes très bien arrivés sur Paris. Tu me fais un concours de salto là. Un concours de salto arrière. Ok, très bien. Bah, je pense que je vais complètement gagner. Salut les gars, vous êtes les juges pour les saltos, c'est ça? C'est bon, arrête de faire le mec overbooké. Wallah, que tu parles avec un frère de ton quartier. Donc là, si je me rapproche normalement. Ah, c'est qui elle? Asmama. Asmama. Vu le place sur Planète Rap. Avant le Planète Rap, nous allons déguster cette magnifique petite piscine. Un petit chat. Une petite chatte, je sais pas. En tout cas, en parlant de ça. Il y en a sur Paris. Bah alors le petit chat, comment il va le minou, le minou? Allez mesdames et messieurs, olé, youyou, youyou, j'aime bien. Regardez. Oui, j'aime bien. Et Dimalou. Hey, dis Malou, bouge ton petit popotin. Tu te mets sur la pointe des pieds et tu lances un salto incroyable. Le public est on fire. J'ai dit il est on fire, j'ai pas dit il est jaloux. Non, on fire. Non, mais du vrai on fire. Non, mais pas genre tu sus, juste on fire. À moi. Ça te rien, gros? Ah ouais, ok. Sinon, excusez-moi, monsieur. On a eu le temps de faire les JO des saltos des lunes, mais vous êtes toujours en train de manger vos chips. Je suis le coach. Moi, j'aimerais bien vous voir à l'œuvre, s'il vous plaît. Vous posez ça, c'est des cochonneries. S'il vous plaît, je demande un tonnerre d'applaudissements et une huée, une waouh, sasso, en criant sasso, s'il vous plaît. En enlevant son chibre de la bouche, vas-y. Lune. Regardez Lune. Lune. Wesh frère, c'est quoi ça? C'est la plus belle lune. Oui, dit Malou, il fait le thé. Ce n'est pas pour rigoler. Ce n'est pas pour plaisanter. Ça saute. Mais c'est incroyable, monsieur, comment vous réalisez ce genre de choses? C'est grâce à la pignouf. C'est le Planète Rap entre 20h et 21h. L'artiste incroyable. Arrivé d'un autre Lyonnais. Salut, comment tu vas? Ça va, beau gosse? Présente-nous un petit peu son studio. Celui-ci qui vient d'arriver là dans le studio. C'est Farès Salvatore. L'incroyable Farès. Qui fait son entrée dans le. Elle veut qu'on se fasse des bisous sur la photo. Nicule torse nu sur la moto. Elle veut Fendi, Gucci, Ferrari. Entre 10 et... Ah, vous voulez savoir quelque chose ou pas? Là, en plus, là, moi, j'ai envie de savoir quelque chose. Il va peut-être m'informer en direct. Oh, alors quoi? Qu'est-ce qu'il me dit, Sasso? Allez. Là, en gros, t'avais pour projet de partir en vacances avec une influenceuse. Ah bon? Est-ce qu'il y a un truc qu'on ne connaît pas de Sasso? Farès, s'il te plaît, quelque chose qu'il faut absolument savoir. La taille de son chibre, peut-être. Ah, frérot, tu... Hein? Ça? Ah, vous avez vu la chute que j'ai fait en direct sur Skyrock ou pas? Qu'est-ce que t'as pensé de ma chute, frérot? Magnifique. J'ai fait une sacrée disparition. Une chute en manque de calcium. J'étais dans l'écran, ça s'ambiançait, j'ai disparu. Ah, je sais que regardez. Oui, attention la tête.
ne pétez pas le plafond, le mais foutez pas la tête dans le plafond à Sassou quand même. On a vu une très belle chute, si vous avez les images, oh là de Planète Rap de Fares qui a fait une très belle chute un moment, magnifique pendant le live. Rien, c'est la rue. Rien, c'est la rue. C'est dans, ah oui. Merci à vous. Certains vont être choqués, je ne vais pas le montrer maintenant. Vous voilà, c'est bien. Mieux, c'est mieux. Guettez vos DM par contre. Merci à vous tous en tout cas pour cette belle soirée. Rendez-vous demain. Demain on fait la sortie. Hein. Direct. Demain 20h-21h, Fares sera de retour aussi, donc il n'y a pas loupé. On va saluer celui qui était au platine évidemment. DJ comme Fens. Fens, tous les soirs. Bravo Fens, qu'on a applaudi. Bon bah les gars, comme Fred il l'a dit, rendez-vous demain. Je suis réinvité sur le Planète Rap. Rendez-vous demain les gars, à la même heure. Ton chibre, ton chibre. Fred, sors d'où ton chibre. Fred, sors. Donc voilà, c'était la petite story de Fares Salvatore qui est de nouveau monté à Paris pour de nouveau apparaître à Skyrock, cette fois avec Sasso. Donc concernant les saltos, je dirais que c'est Fares qui a gagné parce que quand il a fait le salto, voilà, il est vraiment tombé les deux jambes droites, tout ça. Donc, bientôt, Fares Salvatore, il devra prendre un appartement à Paris, ça sera plus pratique. Ça lui évitera d'aller toutes les semaines faire des Paris-Lyon, tout ça pour aller à Skyrock, parce qu'il est à Skyrock finalement toutes les semaines pratiquement. Pratiquement, si c'est pas l'interview, c'est le truc, tout ça. Donc, il manquait juste Sifbo. Voilà, il manquait juste Sifbo, je pense. Donc, Sifbo qui fait des choses à côté, de son côté. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis sans doute à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Tchuss.